Véronique. Oh Véronique. Il y a des insultes, je pense que tu étais habitué, Eric, quand tu portes un déplacement, à ce qu'il y a un peu de... J'ai jamais été bien traité, je voilà. sais pas, je... bon, c'était peut-être ma figure qui revenait pas, je me disais, je me prenais comme ça. Moi j'ai vraiment tout fait pour rendre vraiment hommage à la Corse et faire le donner le meilleur de moi-même et vraiment montrer qu'on était vraiment des guerriers, des vainqueurs et... François, tu l'as connu, toi, François Modeste, ou c'était plus jeune Au début de sa carrière, c'est la génération en dessous de la mienne, il est arrivé, c'était un peu lui qui m'a touché devant aussi. Ah, voilà. Ouais, ce qu'il a dit, j'ai pas honte de ce que je suis, j'ai pas honte de ce qu'est mon club, moi j'ai pas à répondre à ce qu'il dit, lui. Après je ne veux même pas de ce qu'il a dit, d'ailleurs il pense ce qu'il veut, je m'en fous. Quand je suis sur le banc, j'attends qu'une des choses, c'est de rentrer dans leur palier à jouer. Ouais. Le temps du montage, j'ai eu des retours où même des gens m'ont dit « Mais tu as été un peu fort avec bout de bouse, comment tu as parlé, tu as dit que tu l'aimais pas ?» Et je dis « Mon ressenti. » On est un peuple, avant toute chose. Il faut pas oublier à 100 ans en arrière, parlez-moi Micovantiez, parlez-moi Gourse. Alors ce qu'il a fait Jean-Louis à Nice, ça n'a pas été un geste pour provoquer qui que ce soit, ça a été un geste qui est sorti du cœur. Le juge de touche qui était là, il n'a pas signalé. Et l'arbitre, lui, il était derrière nous, je crois qu'il normalement il ne devrait pas voir l'action. Bon, il y avait bien vu, t'as bien grave. Un sportif de haut niveau, quand il arrête sa carrière, il vit une petite mort. Hein. C'est un deuil à faire. Et... T'as joué au ballon hiver, toi, jeune, t'as joué. Après, j'ai arrêté parce qu'ils voulaient me faire jouer avant, et je voulais jouer en même temps. Salut les tristes, c'est parti pour 2 mois sans merder, sans sporting, 2 mois à se taper des photos de pieds nus et de pommadage sur les réseaux sociaux. Bref, on fera un petit bilan de cette éprouvante saison 2014-2015, suivi d'un point sur le recrutement en seconde partie. Jingle. On va payer. Allez, on se retrouve sur notre beau plateau de Minet Foot avec nos chroniqueurs habituels et notre invité aujourd'hui, François Modeste. Tu es fan de lui, hein, c'est Sylvain Maestrach, hein, pour ceux qui la connaissent pas, Tribune Sud. On a une photo féminine, hein, c'est quoi cette photo là? Avec les féminines, Yachuki Korlija. Oh putain, c'est quoi là? C'est quoi? Tu as joué au ballon? C'est ma soeur jumelle, je crois. Non, mais c'était où? Yachuki et tout, c'est féminin. Oui, j'ai joué au Sporting. Quel poste tu jouais? J'étais numéro 10, moi, bien évidemment. Allez, bon jeu de tête en tout cas. On avait un bon jeu de tête. On avait fait un bon jeu de tête, c'est bon. C'est pas possible. Bah, tu vois, tu crois qu'à l'émission, il n'y a pas de photo qui arrive maintenant? Non, mais la ressemblance avec Modeste. En plus, c'est ton idole, il paraît. Bien sûr. Je fais avant de supportrice de François José, attention. Allez, on va commencer avec ce décor de vacances. Hein. On ne voulait pas se quitter sans faire la dernière, là. Et on a fait sous le style des MNF d'or. Voilà, on va commencer par le premier. Le vent en or est attribué à Apodi, le fils du vent. Voilà, Apodi. Hein. C'était justement pour faire le rapport. On a eu João Rodriguez, Mukulu, Pino. Et on en a eu d'autres. Il y a eu trop de prêts comme ça. C'est hein. Le Béni Hill, là. Là, c'est le Béni. Là. Bon, lui, ça a été la palme. Un mois, comment il est resté, lui? Je ne sais pas, moi. Ouais. 15 semaines, 15 jours. Mais il faut voir que Makelele l'a pris parce que l'agent d'Apodi, c'est l'agent qui a fait signer Makelele à Madrid. Ça fait qu'il lui avait demandé de prendre le joueur. On l'a fait signer sans le connaître. Après, on nous a montré quelques vidéos, tout ça. Bon, en D3 mexicaine. Ouais, mais il y en a eu trop quand même. Hein. Toute la liste, là, on s'en est même pas servi. Ça a été raté, mais. Ouais. Faut plus refaire ça, j'espère que tu te loupes sur un joueur, donc tu en prends un autre, tu te loupes encore sur un joueur, et après tu cumules les mêmes joueurs sur le même poste. Et c'est comme ça que tu arrives. De toute façon, maintenant, il faut arrêter. Tu as privilégié la quantité à la qualité. Il faut arrêter la politique des prêts. Ouais. Les prêts, je suis... Antonin Etienne, vous l'avez bien compris, ça. C'était des entraîneurs. Ils savaient qu'il faut un ou deux prêts maximum par an. Il faut arrêter. Ça leur servira de leçon, allez, ce truc-là. Pour moi, qu'ils renouvellent pas ça pour la saison qui arrive. Hein, c'est... Ouais, ah, mais moi, quand j'entends maintenant qu'il n'y a plus d'argent, quand tu veux prendre des prêts, ça en prend le chemin. À mon avis, on va continuer à faire des prêts. Ça en prend le chemin, les prêts. Hein. Bon, on verra, on attend un peu. Pour l'instant, il n'y en a pas. On n'a pas de source, rien. On a aussi là
Le second. Le trophée de la plus belle progression est attribué à Mathieu Pébernès. Thomas, tu fais Vernet, c'est la plus grosse progression de la saison. Non, c'est mais attention, oui. Non, je suis pas d'accord, moi. Ah, en progression, j'ai du début à la fin, hein, du début de saison à la fin de saison. Il y a de Bouze en progression. Non, mais il avait déjà des qualités avant. Mais d'accord, mais Soumakelele, Boudebouze, c'était. Oui, mais Soumakelele, Boudebouze savait qu'il pouvait être bien. Pébernès, quand il a arrivé, moi je pensais que la progression. Oui, sans voir comme ça, oui, mais sinon c'est Riyad de. Mais quand il dit progression. Après Riyad Boudebouze, il a progressé dans l'état d'esprit, dans la combativité. Ah oui, ça, c'est voilà. Indéniable. Après, si tu regardes ses stats finales, on en parlait tout à l'heure en off. Pour un milieu offensif qui doit apporter plus de buts, plus de passes décisives, c'est pas extra. Ouais, quand enfin, il joue en retrait, oh. Il y a un match, à un moment donné, il fait 125 interceptions, ouais. Il touche 125 ballons. Eh ben, c'est parce que je te dis, moi je dis ses stats offensives. Il est allé les chercher jusqu'à Gilou. Voilà, exactement. Et puis à Evian, on en avait parlé. À Evian, c'est même. Je veux dire. Il fait partie de ceux qui la victoire est bien, on peut lui amputer. Oui. Non, mais c'est vrai que Pévernet, si ton, il partait de. Voilà, il partait de. Ouais, oui, c'est pour ça, c'est une progression après la progression. Ouais, ouais, après, Boudebouze, la saison dernière, il n'a pas été tranchant alors qu'à Sochaux, il avait montré de la chose. Mm-hmm. Après, on a ça aussi, la suite du feuilleton. On a eu la suite du feuilleton. L'effet de l'amour avec Anthony. Mais elle est déjà passée, ça. Encore. On a la suite. Toi, tu parles beaucoup, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux et tout. J'ai vu que tu m'avais tagué dernièrement, donc. Ce que je te demande, c'est de faire une vidéo où on te voit jouer un peu au foot et si tu peux faire le même sauvetage que j'ai fait à Rennes, ben, je prends en gros, tu vois. Scrive nuova storia contro le prevedenze. Agressivité, sauvetage! Oui, il m'a fait penser à Rudy Rioux là à la fin. Rudy Rioux, on demande ce tournoi, on a joué avec que des jeunes, c'était il y a 3 ans ça. Mais combien de blessés aussi? Oui, non mais on s'est qualifié, on a laissé la place aux jeunes, oui. Que des vieux nous. Que des vieux 4 paquets de cigarettes, 40 ans. 4 paquets de cigarettes, 40 ans, j'étais là, je jouais, j'ai fait mes matchs. Bon, j'ai des trucs, mais j'étais là. Fébrelès, quand tu veux. Par contre, je lance un appel. Voilà, c'est la musique. Ça, c'est ton sport. Ça, c'est ton sport. Maintenant, mets les gants. On fait 2 rounds. Allez! Mon sport. Tu fais la vidéo, fais ton sport avec les gants. Je te donne 2 rounds. Hein. Allez, on passe au prochain. Le prêt en or est attribué à Guillaume Gillet. Bon, Gillet, est-ce que quelqu'un a des sources sur Gillet. Des regrets. Ah, qui dit il va rester. Moi, j'entends encore les gens qui peu importe le pourquoi, du comment, le machin. Gillet, la valeur que c'est en tant que joueur. À 500 000 euros dans la Ligue 1 française, c'est cadeau. Bien sûr, c'est cadeau. Alors, il n'y arrive mais pas. Mais il y a le site belge, là, avec, comme quoi ils avaient accusé, justement, qu'ils n'avaient pas donné les 200 000 euros pour avoir l'exclusivité. C'est vrai, ça aussi, on ne sait pas, parce qu'on entend plein de choses. Mais ne serait-ce que financièrement, c'est un gars que tu prends, rien, ne serait-ce que l'an prochain, tu peux le vendre le titre. Moi, je dis, tu peux le vendre le titre. Mais non, tu parles, il a 31 ans, tu le vends pas un million. Pour toi, un million, tu le vends pas. Si tu veux faire le malin, tu l'achètes 500 000 et tu le revends avant le 31, le 1er septembre. Un million, tu le vends, là, avec la saison qu'il a fait. Bien sûr que oui. Non, mais moi, ce qui est dommage, c'est. Tu voulais vendre 10 millions comme un autre, tu voulais vendre. C'est pas pareil, comme un autre. Comme un autre, pas. Vous n'allez pas le vendre 10 millions comme un autre, enfin. Comme un autre, je le revends. Tu sais, comme un autre, vaut 10 millions, vaut moins. Mais non, mais c'est pas comparable, c'est de bon sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un des sources là maintenant? Est-ce que quelqu'un des sources? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il est parti? Il va s'en aller. Non, ce matin, dans le. De toute façon, on n'a plus la priorité. Après l'article, lui déjà, il fait un article vitriol. Il dit que les dirigeants lui ont pas dit au revoir, tout ça. Cet après-midi, le DOS met un article sur Comperem, il poste, il dit que Gillet, les contacts ne sont pas rompus. Au contraire, on discute. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? C'est pour ça, on comprend. Il faut savoir maintenant aussi. Tu as une communication du club qui se fait. Qui se fait à travers un secrétaire général quand même, parce que le DOS c'est quand même secrétaire général, mais qui a une communication qui se fait à travers des réseaux sociaux. C'est pas normal. Il n'y a pas le site du club qui communique. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais après, on ne sait plus où on est dans le flou. Voilà, et Guillaume, voilà, alors, tu crois le Nice matin, tu crois le Sporting, on ne sait plus. Donc, voilà. Le problème, c'est que tu as deux versions complètement opposées qui ne se rejoignent pas du tout et.
Du coup, c'est le feu complet. Hein. Personne ne sait, en fait. Son contrat de mariage, il l'a fait à Porto Vecchio, il l'a fait même ici. Bah, ça, c'est déjà beau. Hein. Et, sur le type, Carambe aussi. Est-ce qu'il y avait comme des dirigeants du Sporting comme pour Je ne sais pas. J'ai pas vu. J'ai vu Péberné sur la photo. Pas, alors, c'est le pas de témoin de mariage. Il n'y avait pas de témoin. Alors, achète encore le second. Allez, c'est encore un autre. Le buteur en or est... Giovanni Sio. Pareil, hein, Sio. Hein, gratte-toi la moule, mon gars, rien. Hein, tu vas voir. Attends. Les buteurs, tu crois que nous. Parce que là, on dit 31 ans, mais là, c'est 26 ans. Tu peux le revendre. Bah oui, tu peux le revendre. Mais même au-delà de ça, au-delà de ça, le Sporting n'a jamais fait partir une offre d'achat sur des options en prêt avec mais le dernier c'est 12 là 1 million mais c'était pas une option d'achat. Les derniers gros achats historiques du club c'est Boudebout, c'est Pierre-Yves André, c'est Mauro Pérez. Non les fusées, attention, mais c'est vraiment il y a longtemps. Bah, voilà. Le polonais la chair même que c'est maintenant, mais les dirigeants d'avant là où ils étaient quand même, il faut leur donner quelque chose. Quand justement faisait des options d'achat sur Pioncel, Lachuer. Pourtant Lachuer on l'a acheté au Paris Saint-Germain à l'époque. Hein. Lachuer il venait pas de Châteauroux. Hein. Nous on l'a acheté à Paris. Hein. Donc Lazio, au début de saison quand tu vas discuter avec, en janvier tu discutes avec Bâle. Moi je suis sûr que Bâle il te fixe 2,5 millions. Nous sans savoir on dit oui vous inquiétez pas on doit signer. Non c'est pas comme ça. Parce que tu dois te dire que si le joueur il flambe. Tu es susceptible de l'acheter. Anticiper avant, ils ont voilà, tu dois anticiper le truc. Nous, non, on doit taper dans les mains, c'est comme les primes, on va revenir, je pense aux primes. C'est pareil pour les primes. Nous, on dit oui, Coco, touche la main, d'accord, 2 millions de seconde partie des primes. Voilà. Je veux dire, non, mais pour Sio, tu te mets pas d'accord avec Bâle pour 2 millions et demi d'euros, si tu sais que j'ai l'impression qu'on gonfle l'option d'achat afin d'obtenir le prêt. Et on ne pense pas à l'avenir après. Peut-être que l'option d'achat, c'est la condition sine qua non pour avoir le joueur. Sinon, tu n'as pour l'instant, c'est rien non plus. Je pense que les 2 millions et demi, il est valait déjà. Ah oui, il est vaut. Il a sauvé Sochaux. Ils ne sont pas cons. Je crois qu'il y a eu un souci, il y a eu un changement d'entraîneur et c'est pour ça qu'il avait perdu sa place. Oui. Donc, ils sont pas dupes. Personne n'a des sources non plus. Ça aussi, c'est dans l'inconnu. C'est toujours la source que j'ai. Pardon. 9 à 2 millions et demi d'euros. Tu en as combien sur le marché? Exactement. 26 ans. Moi, la source que j'ai, ce que veut faire le Sporting, et ça, c'est d'avoir des sources sûres. Ils sont allés voir Bâle, ils veulent le payer en 3-4 fois le transfert. Plus une option de revente. Mais seulement Bâle reproche, dit qu'il faut qu'il paye du cash. Une location là aussi. Non, ils disent que le prêt était payant aussi. Comme Anderlecht. Oui. Ah, voilà ce que dit Bâle maintenant. Donc les discussions s'est un peu rompues. Messieurs, ils préfèrent même venir ici que de signer à Montpellier, même avec un salaire un peu plus élevé. Hein. Maintenant, tu peux te mettre d'accord pour signer le joueur 3 ou 4, payer 3, en 3 ou 4 fois. Tu peux le faire. Hein. En plus, hein. Et puis maintenant, à Bâle, tu peux leur dire aussi, si je peux vous donner une idée, les dirigeants du Sporting, ils te font une facilité en payant 3 ou 4 fois. Et eux, tu les mets prioritaires si c'est un joueur qui prend plein bout de bouse. Bâle. Peut-être intéressé par un bout de bouse. Un échange. Ou un Camano. Non, mais pas un échange de suite. Mais tu peux mettre Bâle prioritaire si tu t'arranges. C'est donnant-donnant, tu vois, Gilles. Oui. Tu as plein de trucs pour t'arranger avec les clubs. Les Camano, mais ils ont peut-être pas envie d'aller en Suisse. Hein. Je t'ai parlé trop. Je t'ai parlé trop. De les mettre prioritaires, exemple. Dans une éventuelle. Dans un éventuel dossier où ils pourraient être intéressés. Sur la priorité, quoi. Tu peux t'arranger comme ça, voilà, il y a des manières de s'arranger. Tu peux faire une filiale avec ce club. Hein. Tu peux faire des filiales, des matchs amicaux, tu as des trucs. On va devoir attendre lui aussi, on sait rien aussi. On non, mais eux, je pense que ça va attendre les deux dossiers là. Vu qu'il y a du cash, non. Il y a moyen encore les deux, alors des dossiers Gilet et... Moi, je pense que Gilet, il peut... Ça serait une agréable surprise, moi, j'y crois pas. Mais sur le plan personnel, vous y croyez ou pas, Sio et Gilet? Non. Moi, Sio, j'y crois. Moi, j'y crois en Sio. Je pense que moi je crois en Sio parce qu'il est pas nous ici et même les Suisses ils savent que si tu leur proposes une prime à la revente ou un pourcentage. Il faut vite vendre au bout de bouse. Ouais, il faut du cash. Voilà. Hein, ça, on attend ça encore, là j'espère qu'ils vont faire lever. Ah oui, là tu vas faire deux jours. Allez, un autre trophée. Le trophée du coup de tête d'or est attribué à Brandao. Bon, l'enculé, hein. Bah, il nous l'a mis à nous le coup de tête là. Selon l'équipe, il s'était mis d'accord avec ses anciens représentants pour ne pas toucher son salaire pendant sa suspension. Et là, maintenant, il fait marche en arrière. Non, mais c'est parce que je crois qu'il n'avait pas payé le dernier mois où il a joué. Et du coup, de fait, vu qu'il ne lui payait pas,
Ce que j'ai entendu. Pas depuis qu'il a recommencé. Et donc, de fait, vu qu'il les amène au prud'homme, ils demandent tous les salaires. Bon, on m'a dit que c'était les impôts. C'était les impôts cumulés que le club devait payer. Ils ont oublié. Et du coup, c'est revenu à 600 000. Pourquoi ils ont oublié? Je sais rien, Jean-Marie. Tu demandes à moi. Je sais rien. Moi, c'est ce qu'on m'a dit à moi. Hein, source encore d'un projet dirigeant. Enfin, ça encore, nacée, on a deux versions. Oui, c'est encore une version. On a deux versions complètement différentes. Le club dit ça. Le... Ouais, l'avocat dit ça. Non, c'était un journaliste de Corse Matin qui avait lâché la bombe sur, sur les Twitter. Hein. Ah, après, ouais. C'est parti sur RCFM. Apparemment, non, l'équipe aujourd'hui a repris. Oui. Ouais. Bon, mais on passe, allez, tant pis pour lui. Le trophée de la plus belle pépite d'or est attribué à François Camano. Camano, hein, énorme. Hein. Alors, Camano, maintenant, Camano, vu le marasme qu'on est en train de vivre là, avec les financiers qui entourent tout ça, maintenant. On a intérêt à le blinder, qu'on le lâche pas au premier venu maintenant. C'est pour ça. Moi, ma peur, elle est là. Ça nous fait peur pour ça, parce que vu qu'il y a un trou d'argent, apparemment. Alors, la peur, elle est là. Moi, je veux revenir déjà à quelque chose. Le trou, si c'est sur les. Il y a un ordre chronologique. Mais on revient plus tard si c'est sur les dirigeants et tout ce qui est. Justement, dans le truc, dans la vidéo de 24 minutes sur le site du club, PMG, qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Nous, il faut vendre bout de bout pour être à l'équilibre. Aïté, Camando, il y a des offres, mais on n'en est pas là à les vendre. On n'en est pas là. C'est lui qui le dit, hein. On est d'accord. On n'en est pas là. Si maintenant, on te dit que pour équilibrer les comptes, il faudra faire plus que bout de bout en vente, et à quel prix? Parce que les 3-7 annoncés par le club et les 2 annoncés par l'Espatel, il y a quand même une différence. C'est clair. Donc, si on t'annonce Camando, sachant qu'il y a des difficultés, les clubs vont dire « Oh, Camano, on vous le prend pour 3. » Ah oui, c'est bien. Ah oui, oui. On va à la praderie encore, parce qu'on va avoir besoin d'argent. On va à une braderie. Ça fait tous les ans. Comme... Ça, c'est comme les clubs. Toutes les années sur le Il faut les blinder, si tu peux, là. Il a 3000 euros par mois. Quand je vois, Anthony, il en parlait en off, je le laisse parler. Quand tu parles d'Entep, vas-y, parle de ça. Ça, c'est important. De quoi, c'est Entep, à Auxerre, un des deux. Non, quand tu vois qu'Auxerre, ben voilà, parce qu'on dit il faut de l'argent. Moi, quand je dis il faut toujours des gros sponsors, tout ça, c'est pas vrai. Ou des investisseurs. Du moment que tu as accédé au Graal, c'est-à-dire la Ligue 1, tu as les droits télé qui te couvrent 80% du budget. Même 70-80%, c'est énorme. Après, c'est deuxième, la billetterie. Et un club comme Auxerre, qui est en Ligue 2, qui est un petit club, qui a réussi à vendre son Entep 7 millions d'euros. À Rennes. À Rennes. Qui là a réussi à acheter un gardien comme Zachary Boucher à Toulouse, 500 000 euros. 9e de Ligue 2. Voilà, Auxerre qui a fait le Doron, c'est 2 ou 3 ans. Ils ont fait le Doron, ils forment des jeunes. Nous, il faut qu'on fasse comme ça. Il faut arrêter de dire, il faut des investisseurs, tout ça, c'est pas vrai. Tu as Guingamp qui a vendu une boule. Bien sûr. En Ligue 2. Voilà, exactement. 8 millions d'euros. Moi, pour moi, Camano, c'est un attaquant qui a fait quand même la pépite. C'est minimum 5, 6, c'est un minimum. C'est minimum. Ça, si tu pas ça l'année prochaine, je le redis, tu le vends 10 millions d'euros s'il continue sur sa lancée. C'est celui de 3. Et pour ça, s'il continue sur sa lancée, Lens a vendu à Arsenal deux joueurs de 16 ans, chacun 2 millions d'euros. Voilà. Ça fait 4 millions. Bon, après, peut-être qu'il y a des réseaux qui font que les gens sont amis avec Lens, Arsenal, Wenger, le gros port de Martel de Merde, tous ces gens-là. Bon, on espère qu'ils ne fassent pas un flanc avec, hein, qu'il y ait moins de 5 interdits, attention. Ouais. Hein, d'ailleurs, Jacob, quand il nous avait donné la subvention, avait dit quand la maison brûle, on ne vend pas les bijoux de famille. Camano, pour l'instant, pour cette année, on ne le vend pas. Allez, envoie l'autre. Le pistelou d'or est attribué à Yannick Cahuzac. Bon, à l'unanimité, non? Ou il y a quelqu'un qui n'est pas content de mon Cahu? Non, ça va. Oui, tout le temps. Attention. Oui, il était là, il a repris le... C'est sûr, je connais le Cahu. Moi, c'est Modeste. Oui, il aurait pu y avoir un match avec François Modeste. Qui a fait une... Pour moi, c'est les deux, l'âme du club, mais lui, c'est... Le Cahu, ça fait plus de 4 ans. Hein, ouais, mais François Joseph, ça fait 30 ans. Hein. Non, mais bon, tu peux pas comparer Cahu, quand même, mais François, quand même. Mais je préfère Modeste, au moins. Allez, fume-moi. Le trophée des 4 mousquetaires en or est attribué à François Modeste, Julian Palmier, Sébastien Skilach et Gilles Tchogne. Bon, les 4, on les a l'année prochaine ou pas alors? Modeste, tu ne savais plus à coup. Dans la vie, de sûr, c'est Tchogne et Skilach. Après, Palmier, lui, veut à tout prix rester, il veut finir ici. Non, mais... Palmier, il reste. Hein, mais est-ce que les gens. Jean-Marie, Palmier, il a un poste, il est gaucher. Ouais. C'est des postes très durs à trouver, les gauchers. Si on puisse, si on se débarrasse de Palmier, il faut retrouver encore un gaucher derrière. Non. Je sais pas. Ouais, mais c'est gravissime. Mais Palmier, il a des offres. Et Palmier, il doit coûter au moins 2 ou 3 millions d'euros. Je pense que c'est modeste. Vous pensez qu'il faut qu'il reste encore un an? Ah oui, il faut qu'il reste à vie. Les dirigeants parlent, enfin, comme quoi, c'est. J'en sais rien. Qu'ils lui fassent la démarche et. Est-ce que ça va pas être l'année de trop
Est-ce qu'il n'était pas en sur-régime cette année? Là, je l'ai vu à Velasco-Dragos, il a été encore bon. Ouais, hein, avec, ouais, mais est-ce qu'il a envie? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a envie? De toute façon, il a envie. Lui a envie, il attend que les dirigeants lui proposent quelque chose. Et les dirigeants, eux, attendent que François aille vers eux. Là, c'est aux dirigeants d'aller vers eux. Moi, je pense que le Sporting, c'est Colomban 1908. Tout le monde attend que l'autre le regarde. C'est long. C'est ça, vous savez que c'est horrible. Ouais, long. C'est un feu. Le joueur va continuer. De source sûre, c'est lui qui l'a dit. Non, mais en plus, c'est pas sans compter notre slogan dirigeant. Demain. Putain, mais c'est, ouais, mais si c'est des trucs de cours de récréation. En plus, c'est pas que Djikou là. Prétend va le garder à Djikou. Oui, il va le former. Oui, que Djikou, un jeune comme Djikou qui a des grosses qualités. Tu gardes à François encore un an à côté. Qu'est-ce qu'il a à Tchéfé Brenes? Ouais, mais François, c'est peut-être l'année de trop. Alors c'est quoi le mieux? Le type, il revient. Si cela sans lui, il le dit. Il y revient. Mais attends, il dit le Sporting est toujours là. Il faut voir que François. Il faut partir dans la gloire. Quand il a commencé avec Makelele, il a commencé remplaçant. Il a fermé sa gueule. Il était bien. Il a trois mois dans les jambes. Il était bien. Si François, tu peux le garder un an, s'il est remplaçant dans un rôle de joker. C'est ça lui convient, oui, et tout, bien sûr. Convient, oui. Voilà, mais titulaire. Parce qu'apparemment, il s'attendait pas à être remplaçant. Non, mais titulaire, c'est autre chose, je pense pas. Ah, oui. François, quand tu vois, quand il a commencé cette saison. Mais si c'est la saison de trop, c'est moche après. Quand il a commencé cette saison, il s'attendait pas à être remplaçant. Est-ce que éventuellement, il peut être prêt à être remplaçant cette année? Parce qu'il y a Pubernès qui pousse aussi. Il a envie. C'est mieux François que quand t'arrives. Ah oui, non, après, mieux François que quand t'arrives. Moi, je te dis, c'est du joueur. C'est même pas. C'est un proche du joueur, il a discuté avec, il a envie. Voilà, faut arrêter de dire il a pas envie, il se la sent pas, il est à l'Olympique. Il a envie, mais très bien. Mais il attend les dirigeants. Mais il appelle Laurent, de toute façon, l'année dernière, je crois que ça s'est fait modeste. Ouais, à la reprise. Eux, tu sais comment ils font, les dirigeants. S'ils ont rien de mieux, ils vont appeler François. Hein. Si lui, il trouve pas réel. Ah, oui, bah, c'est pas ça, mais ça fonctionne comme ça. Malheureusement, je suis d'accord avec toi. C'est pas des objectifs. Allez, suivant. Le prix de la Bandera d'or est attribué à. Jean-Louis Lec. Alors, Jean-Loup, est-ce qu'il peut tenir un numéro 1, Jean-Loup? Moi, je vais te dire, c'est un garçon, pour moi, ça peut paraître une énigme. Je vais t'expliquer. Autant quand il va à Valenciennes, il encense Penauto qui le fait aller là-bas et qui lui fait gagner aussi sa vie, malgré ses qualités à lui, bon. Il était pour un retour de Penauto l'an dernier, hein, je veux dire. Il a fait aussi, il a acté, il a fait venir aussi Landreau. Il en fait partie des gens qui ont fait venir Landreau. Il était ami aussi avec lui de son séjour. Il a un bon relationnel. Il a un bon relationnel, Jean-Louis, pour ça. Moi, quand j'ai vu Areola l'an dernier, si je suis un compétiteur comme Jean-Louis, je me dis, mais je lui prends la place. Mais il n'est pas comme ça, justement, lui. Et là, s'il arrive pelé, moi, je suis Jean-Louis, je lui dis, je lui prends la place. Il n'y a pas de copinage avec Airola ou Pelé. Le copinage, c'est avec là, le. Voilà. Quoi là, moi, j'aimerais qu'il soit Jean-Louis, dans la peau d'un joueur numéro 1. Gilles qui le mette dedans. Jean-Louis, cette année, Gilles est au courant, elle était des fois contre. Il a fait beaucoup de choses, Jean-Louis. Il a fait un travail extraordinaire de vestiaire. On ne te dit pas le contraire. Mais ça, on ne te dit pas le contraire. Il a son envie de jouer. Il a envie de jouer. Alors, il s'impose. On ne va pas parler maintenant. Il s'impose. La finale, il aurait dû la jouer, la finale de Coupe de la Ligue. Oui. N'importe quel d'autre. Il a été écarté 2-3 jours avant. N'importe qui aurait mis la merde au club. N'importe mais pourquoi qui. Pourquoi il a été accordé On ne sait pas. Mais c'est les choix de printemps. Il c'est mon choix. C'est mon choix, voilà. Ah, c'est mon choix. Est-ce qu'il s'est pas battu aux entraînements? Non, pas du tout. Il aurait dû jouer. Pas du tout. C'est un type qui doit. Moi, je te dis, Jean-Louis, il doit être compétiteur. Il arrive un gardien, c'est pas grave. Hein. Après, avec le Penauto ou Landreau, c'était normal. On peut comprendre. Il y avait l'amitié et le niveau de Landreau aussi. Mm-hmm. Mais là, avec eux, Areola, on peut Il a largement le niveau pour leur prendre la place. Ah oui, il suffit qu'ils se le disent. C'est délicat quand tu ne y arrives pas. Moi, je vais t'expliquer quelque chose pour les plus jeunes qui n'étaient pas là. En 82, quand Pascal Lemaitre, il arrive de Yenne Vichy. On n'aime pas Pascal Lemaitre, peu importe. C'est un sacré compétiteur. Il a dit à Redin, moi, coach, je vais lui prendre la place à Yard. Yard, c'est 81 ans avant la Coupe, on ne va pas refaire le parcours, 78 et compagnie. Donc, il toi, pris, tu veux il lui a pris la place. Et c'est à l'entraîneur de décider. Oui. Et si Jean-Louis, il s'épanouit dans son rôle de second gardien? Tu peux jouer sur lui aussi. Parce que lui, je pense que dans l'investir, c'est sûr qu'il doit être un. En tout cas, moi, je sais que c'est un sacré taulier. Oui. Et puis, même maintenant, regardez son contrat et même le prolonger, parce que c'est des mecs comme ça, ils ont fait du travail, je te le dis. Et si demain il n'y était pas, on aurait vu la différence. Ce ne serait pas passé par lui. Parce que moi, j'ai fait certaines choses, même il a réglé même des conflits, tout ça. Non, mais il a été bon au travail de fond. Non, mais c'est moi, ça. Et puis, l'histoire de la Bandera, pour moi, je pense que c'est un tournant de la saison. Oui, oui, oui. Mentalement, ça a changé toute l'équipe. Non, pour les supporters, ça a changé tout le monde. Les supporters, tout ça. En fait, il lui manque plus qu'une chose, jouer régulièrement. Voilà. C'est tout. Allez, c'est ça que ça peut te faire. Ça me fait chier qu'il joue pas. Parce que. Je vois pas la Areola, il a pas prouvé qu'il était meilleur. Mais je vois pas ce que ça peut te foutre. Là, tu me sors. Eh ben, c'est un joueur corps titulaire. Moi, ça me fait chier qu'il soit pas un joueur. Ouais, et pour vomir, il y a un dernier pour vomir. Le Gitan d'or est attribué à André Pierre Gignac.
fait pour voir. On n'a pas parlé du dernier match contre Marseille. Je lui souhaite tous les malheurs du monde. Il n'a pas se choper un cancer, il n'a pas réussi à crever ou un truc comme ça. Non, mais même le tifo, ils nous ont... Je lui souhaite tout. Marseille, capitale de la Corse, ça a été dégueu le dernier match. C'est bien, comme ça, il y en a encore qui sont pour l'OM. Ils ont fait de la pub. Exactement, exactement. Que les Corses pour l'OM, comme ça. Vous allez habiter à Marseille, puisque c'est notre capitale. Un dernier interne, allez, soyez de chez nous. Le MNF d'or du meilleur pronostiqueur est attribué à Châtel. Je taquine Jean-Marie, parce que lui, voyait du grand changement par rapport à la dernière, je ne vois pas encore du grand changement. Je pense qu'il y a beaucoup trop de joueurs offensifs, je continue à le dire. Donc, pour trouver les réglages, ça va risquer de prendre du temps. Pour l'instant, je ne suis pas optimiste. On peut faire quelque chose en coupe, par contre, on ne peut pas gagner une coupe parce que la coupe est arrivée. Mon championnat, je dirais pour l'instant 13e, 14e. C'est toi le plus proche, hein, la coupe finale est 13e, 14e. Et les autres, c'était 8e. Vous croyez qu'on m'appelle la Jean-Marie ville. Voyait déjà les, la Champions League. Ce soir. Le match de l'OM nous a fait du mal. Ouais, le premier. C'est vrai. D'accord. Le match de l'OM nous a fait du mal. J'avais le maquillé d'or. Maintenant, 14e, on aurait été en danger parce qu'on est 12e là. Hein. Financièrement, on était en danger 14e. Ah hein. Oui. Non. On avait budgétisé quelle place? Bon, on en parle après la seconde partie. On va regarder une petite vidéo là sur tout le parcours du Sporting et on revient pour la seconde partie. Thank you.
magnifique vidéo hein, de cette long parcours du Sporting. On va enchaîner la seconde partie. On continue avec un ça va signer ou un c'est faux. Allez, on va partir d'abord sur eux. Allez. L'Académie des 9, hein, ou l'Académie des 4, je sais plus comment les appeler, moi. Je sais plus combien ils sont qui dirigent. Jean-Marie, ça. Non, moi, ce qui m'a choqué dernièrement, oui. c'est l'interview de 24 minutes du président sur le site du club. Sur la web TV officielle, oui. Et derrière, Anthony, qui pense à juste titre, le DOS, à juste titre, que c'est la communication la plus importante qu'ait faite Pierre-Marie à ce jour. Alors, comment on peut qualifier de très important une communication qui ne reste uniquement sur le site du club? Il y a d'autres supports, malheureusement, que les gens ont besoin. J'ai encore ce matin, parce qu'il y a un tas de gabarits qui ne vont pas. On aurait aimé l'avoir nous aussi. Attends, il y a un tas de gabarits qui ne vont pas sur Internet. Moi, quand j'ai dit à plein de gens anciens ou de jeunes qui n'ont pas eu le temps de regarder que la 12e place et la finale n'avaient rien apporté et que ça avait même coûté de l'argent, plusieurs sont restés d'une manière estomaquée. Mais si tu fais du support avec FR3, Viasté, donc RCFM, le Corse Matin, tu fais une grande communication. Là, c'est une communication quelconque de 24 minutes. Triste à souhait. Oui, triste. En plus, il faudrait rester décontracté sur des fauteuils. C'est triste, c'était triste. Je veux dire, Pierre-Marie, il faut qu'il prenne conscience qu'il est quand même le président du Sporting. Il y avait une autre manière d'amener oui, ce qu'il a dit. Alors, s'il dit la vérité sur le budget, sur la manière de faire et tout, ça, à la limite, on ne va pas contester. On va attendre qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche. Par contre, positif ta 12e place, positif ta finale. Dis que l'an prochain, tu as envie d'être mieux. Allez, que tu veux retourner encore au Stade de France. Il n'a pas été assez enthousiaste. Ça, c'est une année au cafard dès la fin. Il n'a pas de si, bon. C'est pas bon. Il est mauvais de quoi. Là, c'est quelque chose, au niveau com, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Après, ça reflète une mauvaise image. Je sais pas comment vous l'avez dit. On dirait que c'est une saison négative au final. Alors que c'est une très belle saison, si vous pensez. Ah, écoutez-moi, je regardais la vidéo, elle était 11h du soir parce que j'avais des trucs à faire. Qu'est-ce que tu penses de ce que je ressens? Quand j'ai vu cette vidéo le soir, je me suis mis à pleurer. Voilà. J'ai pleuré, je me suis couché, j'ai pris un peu de temps. On dit, lors du temple solaire, tous dans le Vercors, lance-flamme. Voilà, et puis quand on qualifie d'important, on se donne pas les moyens que ça soit. Jean-Marie dit quelque chose de très important. Tu es le président du Sporting. Une des plus grosses, je veux dire, sociétés en Corse, tu représentes quelque chose de fort. Bien sûr. Du dynamisme, du courage, de la combativité. Tu représentes ce truc. Là, on dirait qu'il est en pyjama au bord de la... Tu peux dire, j'aimerais qu'on se couronne en finale, qu'on soit mieux. Voilà. C'est du positif, le truc. Après, l'argent, on en discutera en temps et en heure. Voilà. Là, c'était vraiment un souci. Aucun enthousiasme. Moi, j'aurais chez moi. Et puis, quand t'as fait, on serait pas dépensé chacun 1000 euros pour aller à Paris. On reste chez nous. Cette gestion des neufs, là, est-ce que ça va être encore... Elle a montré trop de limites. C'est la gestion des neufs. Et chaque année, chaque fin de saison, on redit la même chose. J'espère que l'an prochain, on tirera les expériences. Une des limites que j'ai appris, encore une source sûre, je ne vais pas dévoiler ma source. Mais pour Makelele, Pierre-Marie, par exemple, était contre. Ah. C'est sûr et certain. Oui, il y a l'Académie des 4. C'est voilà, voilà. Donc l'Académie, mais seulement il procède par vote quand tu es neuf. C'est-à-dire que le président n'est pas en majorité. Si tout le, voilà, comme tu procèdes par vote... Ça aussi c'était pour Makelele et lui était contre. D'accord, donc ça. Tu veux dire toi que la voix de l'Allemagne, on va dire Pierre-Marie président, voilà, monde, compte autant que la voix du Bangladesh, exactement. Un dirigeant, quelqu'un. Il n'y a pas de retour, on n'est pas à l'ONU. Non, exactement, il vote. La FIFA quoi. Donc Pierre-Marie, il est président, tu aurais pu être Gilles Sec, toi président, ou Jean-Marie, ce qui est avec eux, oui. Et il vote. Non, à un moment donné, quand tu es président d'un club, tu dois prendre des décisions toi. Voilà. C'est tout. Mais tu présides. Olas, il est avec ses défauts et ses trucs. Nicolas, avec leurs défauts, leurs trucs. C'est des présidents, ça. C'est vraiment des présidents. Non, mais des fois, faut 9 dirigeants, pas des présidents. Des fois, quand on les remue un peu, c'est parce qu'on a de la sympathie aussi. Mais c'est lourd, ça devient lourd. Ça fait quand même maintenant 4e année de Ligue 1, une année de Ligue 2. Ça fait 6 ans. Faut apprendre un peu plus vite là. Imagine-toi de gérer quelque chose en période de transfert. Quand tu es 9 à décider, imagine-toi. C'est 9, c'est pas possible. Et 9 patrons. Donc imagine-toi, toi tu aimes avec quel agent. Toi tu aimes avec un autre agent. Toi avec... tu es trop sollicité. Ça vient de 9 côtés. Bien sûr. À un moment donné, tu peux pas faire plaisir. Quand, si tu en as qu'un. C'est ingérable. Il y a eu la finale de Coupe de la Ligue aussi, 1,90 million de gains et on en perd autant en primes. Ben ça, c'est les fameuses primes qu'Anthony en disait. Alors, moi, j'ai demandé carrément aux gens, à quelqu'un du club, j'ai pas envie de citer toujours, j'ai dit comment tu peux m'expliquer que le Sporting gagne moins d'argent que les joueurs quand au niveau des royalties. Il me dit que tu es obligé en début de saison, quand tu fais signer un joueur, de lui donner donc un salaire conséquent, plus une prime très importante de royalty. Mais est-ce que c'est partout dans tous les clubs, Jean-Marie? Apparemment, non. Apparemment, non. C'est nous qui faisons des trucs comme ça. Apparemment, non. Moi, je vais te dire, si demain, il y a 1,7 million à gagner pour le club,
Pour moi, ça serait normal que les joueurs en gagnent 500 000 et nous 1,2 million. Oui. Là, c'est tout le contraire pour qui se finale, passe. On prend pas les billets. Là, c'est tout le contraire qui se passe. Pour la Ligue. Là, apparemment, c'est deux tiers qui se passent. C'est tout le contraire. C'est pas normal. Et c'est Vestor aussi, on sait pas comment ça marche. Non, mais je reviens juste pour les primes, je reviens pour le truc de Sio. Quand tu signes ton contrat, j'aimerais au début de saison, un tel gilet, s'il va en finale, tu signes pas ce contrat, tu signes pas cette prime. Tu dis non, Rade, nous on a un petit club, tu auras un salaire, petit prix pour jouer, dis-moi. Ils sont payés, plus on leur donne des primes après. C'est ça qui est moi, dans mon métier, tout ça, j'ai pas d'avoir des primes en plus si je fais mon métier. Ouais, mais toi, quand tu dis ça, moi, j'ai vu la personne en face, et rétorque, alors on peut pas avoir des joueurs. On peut pas rétorquer. Eh ben, on est petit club, on est le Sporting, le joueur, c'est comme ça et basta. Bon, après, les frais, ils sont. Puis t'as les dirigeants qui pourrissent le football. Il y a eu 600 000 de Makelele qu'on lui devait, là, par rapport à. Ils sont pas actés, ça, c'est sous-là, ils sont pas actés. Après, tous les prud'hommes, les commissions juridiques qu'on entend, les Hans, les Ney, les Rays, tous ces gens-là. C'est en attente, c'est pas payé, c'est pas dit qu'ils aient raison, c'est pas dit qu'ils aient tort, c'est de l'attente, ça on sait pas. Et c'est pas, y a pas le concret, de... je veux bien leur accorder ça, moi. Le concret, c'est quoi? C'est les amendes. C'est le printemps qui a eu des amendes à payer sur ça, le fait qu'il n'ait pas de diplôme. Et les aides dans les différents déplacements, c'est bon, ça. Après, tu as des salaires en plus, hein. Tu as dû prendre Ciccolini, tu as pris aussi. Comment ça coûte, voilà. Ça après, on parle de Makelele. Quand Makelele démite ses fonctions, Pierre-Marie Gérone lui dit mot pour mot, on avait prévu un petit peu d'argent de côté au cas où si un jour ça arriverait. Donc aujourd'hui cet argent de côté, est-ce qu'on l'a vraiment utilisé? Est-ce qu'on l'avait vraiment? Est-ce que c'était la Et pour en revenir aux primes aussi, les 1,7 million de Nantes, je suppose que commence, le DOS le dit, les réclame et qui lui seront donnés quand l'argent sera touché. Je suppose que tout l'effectif de cette année-là qui avait avec Nantes... Oui. Vont toucher leurs primes. Mais Arek, les Ilan, les Malouida, ceux-là, on leur doit encore des sous alors. On ne prendra jamais 1,7 million. Mais oui, sur les doigts, alors, on leur en doit. Là, tu parles d'un 1,7 million. Comment on peut budgétiser les 1,7 million quand les dirigeants te disent ouais, mais ces sous-là, on les touchera dans 2-3 ans. Comment on peut les budgétiser? Ah oui, ça, c'est vrai que Pierre-Marie, nous avait eu la réunion d'après Lorient. Voilà. On ne sait pas quand c'est qu'on va les avoir. Mais si tu les budgétises, c'est pas bon. Mais comment tu peux budgétiser ces sous si tu sais que tu les auras pas cette année? C'est du suicide. Tout simplement. Tu sais que tu les auras pas, mais tu les mets sur ton compte. Moi, toi, tu dis pour Makelele, c'était pas budgétisé. Parce que nous, cette fameuse réunion, je lui avais posé la question. Non, c'est ce qu'il avait dit lui. Je dis pas. Il a dit où? Il avait dit en conférence de presse. Ah, parce que nous, tu vois. Il y a un peu d'argent de côté au cas où, si un jour ça arrive. Dans la réunion qu'on avait fait dit que entre nous, j'ai posé la question, j'ai dit aux idées. Est-ce qu'on est vraiment dans la merde? S'il faut le jeter? Tout ça, on a dit que c'est pas budgétisé. Bon, on fera avec, mais nous, on avait prévu de. Ah, mais j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup de temps à prendre, Pierre-Marie, ce soir, à cette réunion-là. C'est Genève, comment tu veux prendre des décisions? Il faut que j'en parle à Mathieu, que j'en parle à Jean. Attends, bah, tu peux pas. Le soir de Guingamp, il est évincé, quand c'est acté pratiquement, c'est un des seuls, Pierre-Marie, à vouloir qu'il continue Montpellier-Lyon avec lui. Hein. C'est un des seuls. Hein. Et il y avait Bisbille entre les deux. Il y en a un qui veut vendre ses parts. Il y a un dirigeant qui. Mais c'est quoi? Si l'investissement est de 20 000, soi-disant, combien ils veulent à la revente? J'ai entendu 300 000. Moi, 400 000. J'ai entendu 200 000. Bon. Moi, 400 000. Hein. Bon, après, il y a quelqu'un qui veut la vendre, c'est sûr. Un dirigeant, j'ai le nom, mais on va pas le dire pour pas. Pour la merde. Bon, après, les dirigeants actuels sont prioritaires si quelqu'un veut revendre ses parts. Donc, bah oui, forcément. Moi, si vous voulez, moi, on fait un grand truc, on fait des socios. Mettez les sous et moi je vais m'actionner. On avait parlé déjà des socios, mais la gestion, ils peuvent te monter la Sega avant, faire une réunion avant et te mettre à toi après. Oui, mais moi si on met 400 000 euros sur la table, que je représente les supporters et trucs, les réunions ne les font pas avant ni après. Hein. Parce qu'ils peuvent t'avoir comme ça, eux. Ils te disent, ouais, faire avant et après le lendemain. Enfin, le connaisseur, il va aussi casser le bureau. Hein. Moi, 400 000 euros, si je rentre au club, je représente les supporters, ils ne font pas de réunion ni avant ni après. Bon, je pense ça pas fait 40 euros pour combien? Combien il en faut? 100 000 personnes? Une personne comme plus, non? Je pense pas qu'ils nous souhaitent. 2000 personnes, c'est pas cher, hein, aux idées. 100 euros. Je mets 100 euros, allez. 100 euros, mettez. Non, par contre, ce qui serait bien, puisqu'on parle en période de transfert, s'il y a des gens qui sont intéressés pas pour rentrer au club, qui veulent mettre un peu d'argent et que d'autres veulent s'en aller, il faut pas qu'il y ait des blocages, quoi. Hein. S'il y a vraiment des gens qui veulent mettre de l'argent, hein, ça fait. Je veux dire, le Sporting, il a tout le monde, hein, il n'est pas. On en a. Non, mais j'ai toujours dit, les gars, faites attention. Quand je dis les gars, c'est à eux. Ouais. Faites attention, les barbus ont tout magué la terre entière. Vous n'avez pas le droit derrière de faire comme eux. Parce que ça sera irréversible cette fois-ci. La fracture, elle sera trop profonde et trop ouverte. Ils n'ont pas le droit. Pour les abonnements, personne n'avait entendu. Ça va augmenter. Il paraît qu'ils vont augmenter sur le centre. Tout ce qui est central, ça va augmenter. Qu'ils arrêtent. Ça serait quand même un scandale. Dans l'axe du terrain, ils vont augmenter. Mais déjà, le quatrième abonnement, on va te justifier le match de East sur Terrain 2.
Et les amendes de Nice. Il faut pas oublier qu'on a le stade le plus, même si on l'aime ce stade, le plus pourri des deux divisions professionnelles. Non, non, Angers, tu pas mal. Angers, il va arriver. Tiens, le Vélodrome, stade neuf, 240 euros l'abonnement. Puis attends, ils vont quoi? Ils vont augmenter dans l'axe. Enfin, mais c'est des cloches, attends, il y a 60 personnes. C'est des cloches, ouais, il y a 80 000 personnes. Mais l'axe des tribunes, il pleut autant que sur les tribunes. Si à 320, tu seras 280 sur les côtés. Ils vont équilibrer, ça va être moins cher. S'ils vont baisser, c'est une chose. S'ils augmentent dans l'axe, c'est n'importe quoi. Parce que c'est pas couvert, rien. Que ça soit même à étage. Tu sais que l'année dernière, je te dis, il y a des gens présidentiels qui n'ont pas pris leur carte. Il n'y en a plein qui n'ont pas payé. Oui, qui n'ont pas renouvelé. Ouais, ça va exploser. Ils gonflent les chiffres, ils font la communication. Mais ça, c'est pas correct non plus d'augmenter les abonnements. Non. Ça, je vous le dis, c'est pas correct. Là, ils vont à l'encontre encore de gros problèmes. Bon, comme les joueurs, on va faire un petit ce joueur. Sadio Diallo, c'est faux, ça va signer. Qu'est-ce qu'il connaît? Ah, tout le monde, 6, ça va signer, c'est sûr alors. Il faut juste, pardon Jean-Marie, il faut juste que lui s'arrange avec son club de Rennes pour être libre. Bon, tout le monde est content. Dès qu'il est libre, oui, content. Oui, Diallo. C'est sa maison ici. Ah, comme il disait pas, il n'a pas été bon pendant 2 ou 3 ans là dans les autres clubs. Oui, il n'a pas joué. Bastia, c'est. Il va Bastia, c'est qui fera. Plein de gens qui critiquent déjà, c'est bon. Je suis très content de Diallo, mais il faut voir qu'il remplace Poudbouze. Mais je n'ai pas envie de défendre Anthony. Je m'en fous, je marque des buts, moi, de défendre. Allez, appelez, c'est ce que c'est. Ça va signer. Ça sert à rien, Il va signer. Ça va signer, mais bon. Encore une fois, moi. C'est débile. Non, il faut vraiment c'est débile. Alors, donne-moi deux gardiens. Parce qu'on peut prendre que des joueurs en fin de contrat au Lille. Pourquoi tu fais pas en parler tout à l'heure? Pourquoi tu fais pas monter Lec? Et tu mets qui après? Tu es obligé. Lec, elle se blesse souvent en plus. Ottoa est en conversation avec un club. Mais il faut payer, Cécilia. C'est le milieu de tableau. On peut le dire, regardez, moi je le nais. Je le sais. Pelé est libre. Un gardien libre. C'est Pelé. Je l'ai vu dans les vidéos, il est pas mal. Oui, bien sûr, moi. Ah oui, pourquoi pas. Non, Pelé, c'est très bien. Moi, je pense que c'est très bien. C'est plus régulier qu'Aero, là. Il y a plus d'expérience. Et au cas où, il y a la concurrence avec Lec. Ouais, exactement. Tu peux pas partir avec seulement Lec. Lec, s'il se blesse, il se suspend tout de suite. Non, c'est pas seulement Lec. Tu prends un sur le blanc. Il y a la concurrence, c'est très bien. Mais Pelé, il est où la polio, tu as dit. Bon, apparemment, c'est presque fait. Oui. Ça va passer à Cantarino. Ah non. Non, mais est-ce que c'est. C'est pas question de non ou pas. Est-ce que. Non, mais il faut pas. Alors, tu rappelles François. On veut donner une info ou c'est ce qu'on veut ou on veut pas? Non, c'est des infos, c'est ce que tu penses. C'est pas des conneries, j'ai pas pris des gens comme ça. Tu reprends avec. Il y a même là, alors Flamini, alors, est-ce que ça va signer? Est-ce que c'est faux? Moi, c'est faux. Non, il joue encore Arsenal. Ah, ouais, bien sûr, enfin. Moi je dis que ça peut se faire au dernier moment. Ça c'est des dossiers comme ça, ça peut se faire la dernière semaine. J'ai discuté avec lui il y a 2 ans, on parlait déjà de lui. Il m'a dit ça me plairait bien de revenir un jour. Oui, mais enfin, qui pète dans tes cordes. Alors, ben maintenant, je sais pas, il a 31 ans. Oui, on est un jour aussi, mais Gilet, il est dans tes cordes. Et Flamini, comment tu fais pour lui? Gilet, tu demandais ce que touche Flamini Arsenal. Flamini, il est libre aussi. Flamini, tu aurais parlé de 500 euros. Flamini peut se libérer. Flamini est libre. Et il a fait 25 matchs cette saison. Quelqu'un qui s'appelle Essien. Mais il a signé au Panathinaikos. Au Pana. Allez, suivant. Bon, ben, alors c'est lui, on va se régaler. C'est lui, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Kevin Malcuit, hein. C'est lui. Mais c'est bon, il peut venir. Ça signe, ça. Malcuit, une mauvaise nouvelle. Voilà. Ah, c'est pas que c'est trop cher. C'est quoi? C'est un joueur, un club, comme on disait, bien géré tout ça, pouvait l'acheter largement. Mais il faut donner un peu d'argent. Il y a la concurrence aussi. Non, il n'y a pas de concurrence, c'était prioritaire. Pierre Poulet le suit depuis un an. Le joueur, il sait qu'il est aimé à truc à Bastia, ça c'est des joueurs. Si tu as un peu d'argent, il vient chez toi. Mais à qui on peut donner de l'argent? Je te dis. Donc Malcuit s'est tombé à l'eau parce qu'il faut donner un peu d'argent à Niort. Et tu n'as pas d'argent à donner. Si tu le payes à l'abdo aussi. Voilà. Tant pis pour les Bastiais. Voilà, tant pis pour les Bastiais. Il ira faire le bonheur de Bordeaux. ça, C'est dommage, hein, même des types comme ça. Il n'y a pas d'argent, Gilles. De Vaux, allez, 1000 euros. De Vaux, ça devait se faire et il a préféré prolonger à Reims. Mais qui crève. Tant mieux. Il a demandé 300 000 euros. Ouais, mais alors moi, ça me permet de rebondir. Je préférais Keita à Vincent que lui, moi. Mais oui, ça c'est une cloche à faire. Non? Il préfère vivre à Reims qu'à Bastia. C'est comme Benezé qui avait dit je préfère le... Qu'est-ce qu'il avait dit? Je préfère Evian. Evian que la douceur d'Annecy à la chaleur bastiaise. Non mais Anthony, sérieux, quand tu vois De Vaux, qu'est-ce que tu penses de Vincent ou de Keita? Alors, Christophe, je le disais ce matin encore.
Christophe Vincent, tu fais re-signer, c'est aussi mes connes. Et tu entends encore dire des gens, ouais, mais Debo, c'est pas mal. Sur quel critère? Moi, je le fais. Les plus avantagés disent que c'est pas mal, ils savent même pas quel poste ils jouent. Parce que Debo, il a changé 3 ou 4 fois de poste. Tous ceux que j'entends, mais voilà, exactement. Et quand tu demandes, ah non, mais c'est pas mal. Mais quand tu demandes, tu l'as vu jouer, j'ai posé la question, moi. Ah non, je sais pas. On va jouer à la petite maison dans la prairie. Ah oh, c'est une Vincent, c'est même pas le petit Vincent, justement. Petit Vincent. On sait pas. Je pense pas qu'il prolongera, mais c'est dommage parce que aujourd'hui, qui tu as mis le terrain? KU, c'est tout. Il te faut des petits jeunes. Keita, ouais, mais Keita, apparemment, son agent cherche à le refourguer en Ligue 2. Keita aussi. Ouais, ouais. Quand le club allait mal financièrement, il a toujours pris dans le centre. Eh oui. Toujours. Mais aussi, on a pris dans le centre. On attend des biscuits. Allez, Anthony, si toi tu as des biscuits, on a. Non, mais voilà, tout cela, Do, c'est joué hier. De Vaux, pardon. C'était ça peut être encore un prêt, donc il faut arrêter avec les prêts. Ouais, mais non, on peut vivre près de prêt. C'est quoi tes deux trucs que tu as mis, Coutadeur et Butin? Non, Coutadeur et Butin, il faut pas s'inquiéter aux idées. Butin, c'est un joueur qui va être libre. Et c'est un attaquant, bon, si tu as vraiment rien, tu peux prendre effectif. Et Coutadeur, Hans l'a eu au Mans. Pourquoi pas? C'est un joueur qui est très technique. Si tu l'as, au Mans, il était très bon. Il peut jouer même au milieu relayeur. Il joue pas comme numéro 10. Parce qu'à Monaco, justement, il a joué en 10. Monaco, tandis que lui, il faut le faire jouer reculé, dans un milieu. Tout ça, il peut jouer pour les services. Ouais. On veut des trucs comme ça. Ah, il a les qualités, après, il faut avoir un joueur physique. Ça tient. Anthony, et quels sont les joueurs du Gazélec qu'on va nous prêter? Et voilà, le Gazélec s'est proposé, comme on n'a pas d'argent, Camari a dit qu'on ne peut pas. Le Gazélec va nous prêter deux joueurs. Bocognano. Mais qui travaillait au gaz. À l'EDF. À l'EDF, Ajaccio. On va aider un petit bêtisier de Minéfoot de la saison. J'attends tous les anti-hands l'année prochaine, je vais tout scruter les tactiques et tout. Hein. Je lui donne rendez-vous. Hein. Ma réponse. Si on va au Stade de France et les Provence, vous n'avez pas le droit de venir. Vous n'avez pas le droit. J'aurais pas le droit d'aller au Stade de France, moi. Je vais gagner un trophée avant de mourir, après je peux mourir tranquille. Moi je le dis. Salut les tristes, merci d'être fidèles à ce dernier. Ah, c'est pas un grand fait. Salut les tristes, merci d'être une nouvelle fois fidèles à ce 19. Bon, pas juste aujourd'hui, ça. Action! Touché, sans rugby, ça. Excusez-moi, mais sans rugby. Ah, oh, Anthony! Action touché, excusez-moi, j'ai dit. Action touché, c'est pas bien. J'ai pas lancé la chronique de Pierre Noir. Oui, c'est fait. Allez, go! Bon, coupe sur la chatte, bisous à tous, merci les tristes, à plus, ciao. Il est trop tôt. Merde. Et aujourd'hui, comme invité, on accueille Twist, hein, qui est plus connu sous le nom de Guillaume. Guillaume, on reprend. Allez, c'est pris. C'est l'inverse. Plus connu sous le Twist. Non, mais il faut chier. Hier. Plus connu sous le Twist, la salope. Hier, je ne connaissais pas encore, je me rappelais plus son prénom. Mais au Guillaume, Twist, Twist ni de sa merde. C'est où des cabinets, comme il y a du béton stade. Moi j'ai pris un verre d'eau, il prend un verre d'eau. Voilà, on va s'occuper dans la bonne humeur comme ça. Je voulais remercier aussi Stérigoli, hein, qui est derrière le micro. Hein. Il y a aussi Cyril Martino, Imadia Noir au son. Hein. Merci à tous. On se voit la semaine prochaine. Et bon vivant, ciao. Quand il n'y a plus aucune raison de nous cacher. Comme une envie de rêver le trou, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir les mots sans le temps d'une chanson.